Yo les gars, comment vous allez? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui c'est une vidéo vraiment posée, vraiment relax, tranquille. Où est-ce que je vais pas faire de coupure, je vais pas faire de montage. Je vais faire comme si on était ensemble, comme si vous étiez avec moi. Je vous regarde, vous me regardez, comme si on avait débat tranquillement. Alors du coup, ce qu'il faut savoir avant d'entamer le débat et la vidéo, les questions que je vais poser, sachez que le gameplay que vous voyez, c'est un gameplay que j'ai, c'est un match que j'ai fait avec mon pote Larsoft. Vous connaissez tous Larsoft, le youtubeur, les gars. C'est un bon gars, c'est un mec qu'on connaît tous, c'est un bon ami. Et pour le coup, Larsoft, les gars, vous avez sa chaîne dans la description. Donc allez vous abonner, allez checker ses vidéos. Elles sont marrantes. Je vous dis, Larsoft fait partie pour moi des youtubeurs les plus sous-cotés de France. Mais bref, allez regarder sa chaîne YouTube, allez checker ce qu'il fait, c'est cool. Du coup, pourquoi Larsoft? Parce que Larsoft est fan de l'AS Monaco. Et que je me suis dit, on va se faire un petit match où est-ce qu'on va jouer avec second voire troisième degré. Je vous dis, on joue vraiment avec second voire troisième degré. On tente vraiment n'importe quoi. Moi j'ai la Juve, lui la Monaco. Je vais tenter, vous allez voir, que de lober dans ce match, que de lui mettre des lobes du prof. Et bref, et du coup les gars, alors vidéo vraiment tranquille, je voulais vraiment faire parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait une. Et on va s'apitoyer sur le Monaco-Juve, donc la double confrontation entre l'AS Monaco et la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Alors ce qu'il faut savoir les gars, c'est que sincèrement, je vous dis honnêtement, ça me fait vraiment kiffer, et désolé d'être vulgaire, mais même bandé de voir cette affiche. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Moi, c'est votre avis qui m'arrange, c'est votre avis que je veux voir. C'est votre avis qui m'intéresse sur les commentaires. Et en fait, pourquoi cette rencontre me fait bander? Elle fait bander parce qu'on a une opposition de style totale, mais vraiment incroyable. Alors, certes, on aurait pu avoir pire en opposition de style, mais là, le Juve Monaco, c'est vraiment un truc de dingue. On va prendre les forces et faiblesses de chacun. On va commencer par la Juventus de Turin. La Juventus de Turin, vous connaissez ses forces. La première, je vous dis tout simplement, Buffon. Voilà. Je sais que, voilà, je suis obligé de dire Buffon en première force. Avant le collectif, avant tout, je suis obligé de dire Buffon. Parce que Buffon, chez la Juventus de Turin, je vous dis honnêtement, de voir moi aujourd'hui, Buffon, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Pour moi, après, chacun son avis. Moi, je considère Buffon comme le meilleur gardien de tous les temps. Aujourd'hui, je ne connais pas meilleur gardien que Buffon. Enfin, que j'ai vu jouer. Certes, il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont vu d'autres gardiens jouer et qui pourront trouver meilleur, mais chacun a son avis. Si vous avez vu meilleur, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Bref, ensuite, autre force de la Juventus de Turin, son aspect défensif et son aspect tactique. Vraiment incroyable. Ça, c'est le cœur de la Serie A. C'est le cœur du football italien. C'est vraiment, c'est un truc de dingue. Je vous dis, il y a beaucoup de gens, de médias, aujourd'hui qui néglige, aujourd'hui qui sous-estime la Serie A, parce que vous voyez pas de, entre guillemets, du Milan C, de l'Inter de Milan comme à l'époque, gagner des Ligues des Champions, arriver en demi ou en finale, parce que vous voyez des scores, et parce que vous voyez pas de joueurs de classe internationale dans tous les clubs d'Italie comme c'était à l'époque. Mais ne négligez pas ce championnat les gars, c'est un championnat ultra tactique, ultra ouf. Alors certes, je reconnais, la Serie A n'est pas aussi spectaculaire qu'à l'époque. Je ne dis pas la Serie A n'a pas le même niveau qu'à l'époque. Parce que vu ce que fait la Juve, alors certes, vous me direz, oui, mais il n'y a que la Juve. Non, il y a la Juve, il y a Naples, il y a la Roma. Ces trois clubs, ce qu'ils font, c'est top. Alors certes, c'est pas comme à l'époque, je le reconnais. À l'époque, l'Inter, le Milan AC, la Juventus de Turin, c'était incroyable. C'était un truc de ouf. Mais bref, autre force de la Juve, les gars, autre force, elle est toute simple. C'est l'expérience qu'a l'équipe. Le fait que cette équipe est de base, pendant toutes les années footballistiques, ait été au top du niveau. Enfin, quand je dis pendant toutes les années, vous m'avez compris, ces 20 dernières années, voilà, et était, voire plutôt ces 10-15 dernières années, ait été au top. Mais surtout que ces 4 dernières années, la Juve, en Ligue des Champions, c'était demi-finale minimum, limite. Mais vraiment limite. Et c'est vraiment un truc de dingue. Et les gars, on parle d'une équipe, mais écoutez-moi, qui a été relégué en série B à l'époque. En série B. Et qui est remonté en série A. Et qui maintenant est champion tous les ans. Et qui maintenant arrive en demi-finale, finale de Ligue des Champions à chaque fois. Et c'est un truc de ouf. Bref. De l'autre côté, les gars. Alors, il y a certes d'autres forces de la Juve. Dites-les moi dans les commentaires. C'est intéressant d'avoir vos avis aussi. De l'autre côté, on a l'AS Monaco. L'AS Monaco, sa première grande force, c'est pas qu'il a un Mbappé. C'est le fait que ce soit des joueurs qui se tapent et qui ont tous envie. Aujourd'hui, je vous le dis, les gars, moi, j'aurais kiffé voir le PSG en demi-finale de Ligue des Champions. Ça m'aurait fait plaisir de ouf. Surtout que
J'ai fait une vidéo avec Edinson Cavani qui est sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo avec Cavani sur ma chaîne YouTube où est-ce qu'il m'expliquait que le foot, c'est jouer avec le cœur, le côté professionnel. Cavani est un joueur ultra professionnel. Tous les joueurs qui sont à leur niveau sont professionnels. Mais malheureusement, lors de la remontada face au Barça, le PSG n'a pas joué avec la même envie que joue l'AS Monaco actuellement. Alors, certes, je ne compare pas les deux. Je suis parisien, je suis objectif. Mais je vous dis juste qu'aujourd'hui, certes, il y a eu un FC Barcelone qui a été incroyable face au PSG, mais le PSG n'a pas joué avec la même hargne que joue l'AS Monaco, qu'a joué la Juventus de Turin face au Barça. Ou peut-être il y a eu une prise de confiance incroyable. Bref, on va pas revenir sur le classico, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, sur la remontada. Autre chose que je voulais vous dire, les gars. Autre aspect fort de l'AS Monaco, je vais y revenir, Mbappé, Bernardo Silva, Bakayoko, Moutinho, Raggi, Sidibé, mais surtout les gars, surtout Jardim, c'est le cerveau, je vous le dis, sincèrement, en France actuellement, c'est le meilleur coach, intraitable, cherchez pas à comprendre, il n'y a pas de comparaison à faire, aujourd'hui c'est le meilleur coach en Ligue 1, point final, il n'y a pas à chercher à excuser. Comme je suis parisien, il y a des supporters parisiens qui vont me dire t'as vendu, tu sais pas ce que tu racontes. Non, je vous dis ce que je pense, les gars, je vous donne mon avis. Après, vous avez le vôtre, je respecte, mais moi je suis en train de vous donner le mien. Mais bref, autre force de l'AS Monaco, c'est qu'on sent que c'est une équipe qui a rien à perdre. On a l'impression de voir des gosses, je sais pas, qui sont en train de se faire mal et qui ont pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que, je vous jure, on a tous des petits frères, des petites sœurs. On en a tous. Et des petits qui ont 5 ans, ils se cognent par terre, ils ont pas mal. Ils ont pas mal. Je sais pas, ils ont pas mal, ils ont rien. Le mec, il va faire une chute de ouf, il va se cogner la tête, il va rigoler. Et ben, l'AS Monaco, c'est pareil. C'est un club où est-ce que les mecs, ils ont pas peur de se faire mal, ils sont en foot. Ils vont, ils courent, ils marquent et point. Et derrière, il y a un placement tactique. Alors, certes, on a vu Monaco se faire frapper par le PSG en Coupe de la Ligue, en finale, etc. Voilà, ça a été vraiment un truc incroyable. Certains me diront, oui, mais il manquait des joueurs 4 de l'AS Monaco. Non, ça pour moi, c'est pas une excuse. Le PSG avait été au-dessus ce jour-là. Mais bref, moi, je vous dis juste, les gars, que c'est vraiment un délire, cette équipe de l'AS Monaco. Alors, je suis pas en train de vous dire que Monaco va battre la Juve. Hein. C'est pas ce que je vous dis du tout. D'ailleurs, je vous le répète, hein, mais le gameplay qui est en fond, c'est un match où est-ce que j'affronte mon pote l'Airsoft. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Et puis, au-delà de ça, les gars, c'est un match vraiment avec second, voire troisième degré. Vous allez voir des gestes qui sont nazes, vous allez voir des coups francs super mal tirés, mais je vous avoue, vous voulez pas se prendre la tête. Bref. Autre aspect à prendre en compte. Monaco, je vois de Turin. Le match aller se joue à Monaco. Le match a lieu ce soir, tout à l'heure. Le match retour se joue à la Juventus de Turin. Psychologiquement, on le sait. On l'a tous vu. Le fait de recevoir au retour, ça donne un ascendant psychologique qui n'est pas à négliger, qui est vraiment important. Je vais prendre l'exemple. Vous allez me dire, je fais toujours la même comparaison, mais je suis obligé de faire cette comparaison parce que je compare un club français. Je compare au Paris Saint-Germain que je supporte. Hein. Le PSG. Il y a 3-4 ans, on a affronté le FC Barcelone. Désolé, excusez-moi, je viens de finir de manger, donc bref. On a affronté le FC Barcelone. On fait match nul à l'aller au parc. On gagne au parc, on gagne 3-2, je crois, au parc. Et au retour, on perd. On perd à l'extérieur alors qu'on fait 1-1 du début à la fin. C'était pas Soré qui avait marqué ce jour-là. On se prend un but de Pedro à la fin. Je suis persuadé que si le match retour avait été joué au parc, il aurait peut-être été différent. Je suis persuadé. Après, vous me direz que j'ai peut-être tort, mais j'en suis persuadé. PSG-Chelsea. Rappelez-vous. Match aller, on gagne 3-1 au parc. Match retour, Dembaba, dernière minute, tu nous mets un petit but, 2-0, on se fait éliminer. Normal. Après, vous me direz, oui, mais il y a eu un PSG-Chelsea, ou est-ce que au match retour à l'extérieur, on a sorti Chelsea avec 2 buts de la tête aux prolongations. Thiago Silva d'habitude. C'est vrai, je reconnais. La remontada. Encore une fois, je suis pas là à critiquer autre. Hein. J'essaie juste de comparer, même si je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas comparables. Ensuite, autre élément. Regardez, les gars. Regardez vraiment. Tous les matchs.
de l'Atlético ces dernières années. Allez voir les stats. En Ligue des Champions, ces 3-4 dernières années. Regardez, hein, les confrontations aller et retour. Et voilà. Et répondez-moi. Les confrontations que les matchs qui ont été joués à l'Atlético. Pardon, excusez-moi, je bégaye, c'est parce que voilà, je suis vraiment en mode tranquille à la cool. Mais bref. Du coup, les gars, ce que je veux vous dire, c'est que la Juve a un point positif qui est de jouer chez elle ce match-là. La Juve a la chance de jouer à domicile au match retour. Faut juste que l'AS Monaco ne prenne pas de but au match aller. Faut pas prendre de but au Rocher. Faut pas prendre de but à Ludo. Faut pas. C'est super important. Et si Monaco s'en prend, bah faudra en mettre un au Juventus Stadium. J'ai failli dire Dele Alli. C'est avec tout le respect que j'ai pour la Juventus de Turin. Moi j'ai un problème, j'arrive pas à dire Juventus Stadium. Pour moi le stade de la Juve ça reste toujours Dele Alli. Voilà, c'est enfin le nom. Le nom de stade ça reste Dele Alli. Dele Alli, je trouvais ça stylé comme nom. Bref, les gars, maintenant qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi et je le conçois, c'est normal, vous avez le droit, vous avez raison. Chacun son avis, je respecte vos avis qui sont intéressants. Répondez-moi en commentaire, argumentez. Pour vous, qui va passer? Donnez-moi vos pronostics. L'Artsoft m'a donné son pronostic, les gars. L'Artsoft m'a dit que au match aller, il y aura 1-1 entre l'AS Monaco et la Juventus de Turin. Et qu'au match retour, la Juve allait gagner 1-0. Ça se tient, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je serais d'avis à dire qu'au match aller, il y aura 2-0 pour l'AS Monaco. Et qu'au match retour, il y aura 2-0 pour la Juventus de Turin. C'est mon avis. Et qu'après, ça va jouer à l'expérience. Et je pense que la Juventus va certainement passer. Après, je sais pas. Et ça reste à voir. Donc du coup, les gars, je vais arrêter là. Je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais pas laisser la fin du match. Donnez-moi vos avis. Vous voulez une vidéo longue? Je vous en fais une assez longue. Hein. On en a près de 13 minutes là. Bref, j'ai pas fait de montage. J'ai laissé. J'ai bégayé pendant plusieurs fois. Je l'admets. J'ai tourné en rond, mais bref, les gars, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qui va passer pour vous? On a une double confrontation vraiment splendide. Et tout ce que je vous demande, les gars, c'est supporter qui vous voulez, mais respectez-vous. Dans les commentaires, pas d'insultes. C'est super important. Je veux pas avoir d'insultes, les gars. Je veux voir personne insulter personne. Et puis surtout, échanger, argumenter, vous savez parler. Les gars, c'est Abdou, je vais à la prochaine. Prenez soin de vous et vive le foot. Allez, ciao, ciao, les gars. Comment va-t-il?